Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 24 de ma série avec l'Italie sur Europa Universalis 4. Alors, comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué, on va faire une petite remise en situation ensemble. Alors, nous sommes en 1604, le 6 novembre 1604, nous sommes premiers à 2316 points, ce qui est plutôt pas mal. On est premier en tout. Voilà, comme ça ça a le mérite d'être clair. Ensuite, donc on est à 426 ducats, à 31-34 par mois, ce qui est pas énorme, mais c'est expliqué aussi parce que mes bateaux sont au port. Et mes bateaux sont au port actuellement, car nous avons été entrés dans une guerre par la République des Deux Nations contre les Ottomans. Et les Ottomans, ils possèdent une flotte de guerre assez importante. J'ai pas voulu prendre le risque de perdre mes bateaux, enfin mes flottes à moi, parce que pour l'instant je vois pas vraiment l'intérêt de participer plus que ça à cette guerre. Donc je me suis contenté de ramener mes bateaux au port et je laisse faire tranquillement mes alliés. Voilà. On voit que je suis aussi dans une guerre contre les états pontificaux et tout un tas de petits états du Saint-Empire. Ça durera pas très très longtemps. Je pense pas qu'ils soient en mesure de résister. On voit que leur enthousiasme de guerre est faible, hein, donc cette guerre va bientôt se terminer. De toute façon, on est à plus 65%. Celle-là a commencé il n'y a pas vraiment longtemps. Il n'y a que moi et la République des Deux Nations dans la guerre. Mais je vais laisser faire la République des Deux Nations. Je pense qu'elle va être en situation de force, on va dire. Donc ils n'auront pas besoin de moi. Voilà, sinon... j'avais pris le parti de conquérir la Tunisie et de conquérir un peu toutes les côtes ici, donc j'ai commencé. J'ai commencé, mais c'est long. C'est long, très très long, donc il va falloir que je me débrouille pour convertir mes provinces, enfin ces provinces-là plus vite. Au niveau de la religion, j'ai une tolérance des païens potables, mais j'aimerais quand même pas tomber en dessous d'une unité religieuse de 100%, ce qui poserait des problèmes assez importants. Je suis toujours catholique, donc j'avais dit que je changerais, mais pour l'instant, c'est pas dans mon intérêt. Même si, a priori, le Saint-Empire est pas vraiment motivé pour changer d'empereur pour le moment, je vais quand même faire en sorte de rester catholique, rester allié avec la France. Mon objectif après ces deux guerres-là, ça va être de calmer l'Autriche pour de bon. Je la trouve beaucoup trop étendue, beaucoup trop puissante, et de toute façon, je veux certains de ces territoires. J'ai des revendications sur... l'un de ces territoires, je vais bientôt faire une revendication sur celui-là aussi, je pense. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Sur Carni... Carni quoi? Carni quelque chose, on va voir. Ah. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau des relations diplomatiques, on est à 5 sur 5. On reçoit de la puissance commerciale de la Tunisie, on est allié avec la Bavière, la France, la République des Deux Nations et le Brabant. En sachant qu'on est à plus 200 avec chacun, je vais vérifier. Donc les relations peuvent s'améliorer encore avec la France, on va le faire, hein, même si c'est pas extrêmement utile. Je préfère conserver des très hautes relations. La Bavière... on est à 97, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Le Brabant, on est à 70, on va renvoyer aussi. Voilà. Donc tous mes diplomates sont partis. Je construis tout un tas de bâtiments, des manufactures, des agences nationales, etc., etc. Au niveau de la science, on est à plus 45 seulement en technologie administrative, 180 et 180 en militaire. Vous voyez qu'on a deux niveaux militaires au-dessus de la France. A priori, on est plutôt serein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les troupes, 66 sur 67, 105 sur 105, donc on est bien. Je songerai aussi à un moment à récupérer ça. Parce que bon, c'est pas comme si ça m'appartenait, mais quand même, ça fait tâche d'avoir une province à l'Aragon ici. Donc je m'en occuperai. Le Piémont, ça aussi, ça j'aimerais bien aussi comme province, mais on verra ça après. Pour l'instant, on va relancer la partie.
Et on va se remettre un petit peu dans le bain. Voilà. Alors, mes armées. Bah, mes armées sont chez moi tranquillement. Il y en a une qui s'occupe de maintenir l'ordre ici. Je pourrais peut-être la scinder en deux d'ailleurs. Vu qu'ici on a 2% d'agitation. Est-ce que ça calme? Oui, voilà, ça calme beaucoup mieux. On n'a plus de soucis d'agitation. On a un port sous blocus. Alors, qu'est-ce que c'est? On a 38. 38 bateaux. Donc majoritairement des galères. Alors nous on a ici 18 galères. Ouais, on. Ça me coûterait très très cher d'aller le faire. Comment? D'aller. D'aller attaquer la navale des Ottomans. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Surtout qu'il y a encore 33 bateaux là-bas, de la Hanse. Tout ça ne m'intéresse pas. Ah oui, d'accord. Donc la Tunisie est toujours. Comment est toujours en train de se faire agresser. J'avais créé des revendications sur toutes ces provinces-là, donc je pense que ça va être la suite. J'aimerais bien prendre Tunis aussi, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui. Comment qui coûte. Enfin qui rapporte assez cher. Et puis reprendre l'ancienne Carthage, ce serait un peu la classe aussi. Donc ici, oui, on a des frégates anciennes. Bon bah. On pourrait devenir défenseur de la foi, mais je ne vois pas l'intérêt. Notre légitimité, on avait pris un coup. Je me souviens plus à quelle occasion. Ah, j'ai 16 ans et pas d'héritier légitime, c'est pour ça, je pense. Enfin. Alors on peut construire des bâtiments. On va pouvoir construire des choses. Je suis passé cinquième en militaire, ça me plaît pas beaucoup. On va construire quoi? On va construire déjà. On peut construire deux petites armureries. Les entrepôts commerciaux, des quais. On peut construire tout un tas de choses, des tribunaux. L'hôtel de ville est très cher, mais en même temps, il rapporte beaucoup aussi. J'ai plutôt essayé de développer l'aspect militaire de mon pays, vu qu'on est passé cinquième. Donc je vais faire des terrains d'entraînement. Voilà. On voit que les Ottomans ne sont pas à la fête du tout, du tout. Ça m'arrange un peu. Moi, c'est surtout la Bosnie que j'aimerais. Va falloir que je. Comment? Que je revendique certains trucs sur la Bosnie aussi. Genre cette province-là, la Zeta, histoire de. Corfou aussi. Ça me plairait bien tout ça. Mais je peux pas revendiquer quelque chose sur le Piémont. Qu'est-ce que c'est que ça demandait la paix? À qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma lassitude de guerre est trop haute? Non? Non, pas du tout. Qu'est-ce que. Pourquoi je demanderais la paix? N'importe quoi. N'importe quoi, ces gens. Alors, la Bosnie. Cet agent a été repéré en Autriche. Bon. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. De toute façon, on s'aime pas, je crois. Non, voilà, on s'aime pas vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. On a perdu un cardinal, c'est pas grave. De toute façon, on jouait pas avec la religion catholique. Depuis le début de la partie, on peut pas se blairer avec le pape. Donc, alors, État pontificaux a déclaré la paix avec le Brabant. L'empereur a ratifié une réforme impériale.
Alors le Brabant c'est bien... ouais c'est... Il s'en sort bien ce Brabant, je connaissais pas ce pays en fait. Est-ce que ça change quelque chose quant à nos relations? Pas vraiment. On va retourner un petit peu améliorer nos relations ici et là. Ouais, les Ottomans sont un petit peu à l'agonie. Nous, ça nous va bien. Alors, on a un autre diplomate de libre. On va l'envoyer ici. Bon, casus belli contre la France. Est-ce que la France me suivrait? La France me suivrait. Ah, par contre... Alliés ennemis, la Castille, Cologne, Brandebourg, ça fait beaucoup de gens. Moi, Brabant a des dettes, Bavière, non. Je vais attendre la fin de la guerre contre la fin de la République des deux nations, peut-être déjà. Je pourrais offrir une alliance à Clèves, mais... J'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant. La Bohème est alliée à la Savoie. La Savoie veut-elle devenir un vassal? Non. Non, elle est beaucoup trop riche. La Savoie est un état riche. On ne peut donc pas la vassaliser comme ça. Ah, on aura bientôt fait le tour. Différents états électeurs. Gorze. Ah. Ça c'est toujours toujours ennuyeux. On va refalsifier quelque chose là-dessus. Parce que ça nous intéresse. De la conversion religieuse pour l'instant, ça m'intéresse pas. Améliorée 91 97. Ouais, on est plutôt pas trop mal avec nos alliés. La Moscovie me déteste par contre, hein. Ça c'est quelque chose d'assez d'assez violent. On va perdre 15 en puissance diplomatique. Alors, on a un casus belli contre la Bosnie. Si je déclare la guerre à la Bosnie, la Savoie suit, la France suit. Je pourrais en profiter du coup pour récupérer le Piémont, c'est tendu. Parce que je crois que c'est leur capitale. Non ? C'est pas ça leur capitale, c'est quoi leur capitale? Si c'est leur capitale, c'est un petit peu dommage. Déclarer la guerre à la Bosnie maintenant. Oui, on va le faire. On prend pas beaucoup de risques. Je regarde quand même que mon entretien militaire est à fond, et c'est le cas. Et donc c'est parti, guerre avec la Bosnie. Pour prendre la province de Zeta. Allez, donc le seul souci, c'est ces foutus Autrichiens qui ne veulent pas nous laisser passer. Forcément. Par où on va passer, du coup? Bah, déjà, on va s'occuper
de la Savoie, déjà. Alors, soutien de la musique baroque. Seul le tout-puissant sait combien le talent artistique peut être gâché par le manque d'argent, de nourriture et d'amour. Aider les compositeurs de l'Italie qui ont du mal à joindre les deux bouts en devenant leur mécène. Prestige annuel plus... plus 1. Oui. On a l'argent, on a la puissance administrative, donc on le fait. Il n'y a pas de problème. Alors, on a plein de trèfles qui viennent de se terminer. Alors, 34 000 contre 16 000. Ils sont plutôt bien placés en termes de puissance... comment ? En termes de technologie militaire. Mais je pense pas que ça suffira. Éliminer de ce pas ils sont partis un peu loin pour le coup. Je peux passer à travers l'Autriche, très bien. Alors ici, on va passer technologie administrative 17. Et on a un autre groupe d'idées à choisir. Pour l'instant, on a quoi? Diplomatique, administratif et militaire. On pourrait retaper dans quelque chose de diplomatique. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais ouais. Les idées maritimes non, clairement pas. Allez, on va prendre les idées diplomatiques. On est à 150%, donc on va prendre directement un diplomate de plus. C'est pas comme si on en avait déjà assez des diplomates, on en a tout un paquet. On va améliorer les relations. Voilà. Et on va aller conquérir du coup assez vite fait. Tant qu'on les rappelle. Voilà, on va pouvoir aller occuper tout ça. En profiter pour aller casser un peu les pieds à l'ottoman. Voilà. Moi, mon objectif c'est surtout la Bosnie, du coup c'est pas trop l'Ottoman. L'Ottoman
Mes alliés s'en chargent de l'ottoman. Allez hop. Voilà. C'est tranquille. On va pouvoir reconstruire quelques bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des manufactures. Le fort frontalier que j'ai toujours pas fait. Je vais le faire... où ça? Ici. Voilà. Ça sera le fort frontalier de défense contre, contre éventuellement l'Autriche. Alors, au niveau des tribunaux, ici il n'y en a pas, on va en faire un. Les quais, c'est pas nécessaire pour l'instant de se prendre la tête vraiment avec. Les terrains d'entraînement, on peut en refaire. Ici par exemple. Bon, l'ottoman est en train de disparaître et ça c'est une très bonne chose. Ah, mes diplomates sont tous libres. Voilà. On les renvoie là. On en envoie un autre en France, par principe. On peut les envoyer un peu partout, on en a tellement de toute façon. C'est quoi, c'est le Danemark aussi, tiens, pourquoi pas être ami avec le Danemark. Ou la Bretagne. Voilà, de toute façon je vais être ami avec tout le monde, ça va être vite vu. Du cas. Alors, une offre de paix de la Savoie. Je suis pas intéressé pour le moment. Est-ce que la France revendique des choses en Savoie? Non. Manifestement pas. Donc, bon, on verra ça plus tard. Je vais peut-être lui donner le veau à la France. Vu que ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est le Piémont uniquement, le reste ça ne m'importe peu. Bon bah une guerre qui se passe bien encore une fois. Ils sont à 55% ici. Je comprends pas que... je ne comprends pas qu'ils ne décident pas de signer une paix. Alors, on a de nouveau deux diplomates de gérer, enfin de récupérer la Bavière. On envoie. Le Brabant, on renvoie. Oula. Voilà, la Horde d'Or... a signé une fin où elle perd de l'argent, des provinces, tout ça, tout ça. Donc, bah, c'est bien, ça sera très bien. Je vais pouvoir renvoyer toutes mes, toutes mes flottes. Alors eux. Vont protéger Venise. Eux. Gênes. Eux. Alexandrie. Et eux.
Tunis. Alexandrie. Bon, puis Vienne, on n'y peut rien pour l'instant. Voilà. Qui devrait comment redévelopper notre, notre commerce. Un gouvernement stable serait une bonne chose. On va perdre son prestige. C'est pas très grave. On a perdu un conseiller et c'est celui qui faisait du talent diplomatique. On en est à plus 3 là. Eh bien, on va le prendre. Parce qu'on est comme ça. Le talent diplomatique, c'est un truc que j'aime bien avoir. Donc voilà, on finit les sièges. Tranquillement. Là, il y a quoi? Ok, d'accord. Il n'y a rien d'important. On a un nouvel héritier. Bonne nouvelle. Ah, 0,44, c'est pas terrible, mais bon. On fera avec. On va pouvoir commencer... Ah, ouais, on peut pas. On va bientôt pouvoir commencer... rapatrier nos troupes. Par contre, il va nous falloir... une flotte de transport, parce qu'on ne peut plus passer par l'Autriche. Malheureusement. Alors, la Savoie est complètement occupée. Est-ce qu'on peut négocier quelque chose avec la Savoie? Donc la vassalisation est bien sûr pas possible. Moi, je peux donner le veau. Et la Savoie à la France. Non, la Savoie, elle est pas... Non, mais non. Attends. Donc la Savoie, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire ça. Je vais donner ça à la France. Wallis, ça m'embête un peu par contre. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Rendre des provinces nationales, c'est pas possible. Relâcher nation suisse. Il n'y aurait que Berne. Je vais donner ça à la France. Ouais, 120, c'est mort. Je vais donner le veau à la France aussi. Je peux pas. Bah, je vais quand même lui donner la Savoie. Ça fera toujours 100 en moins. Voilà, donc la France est heureuse d'avoir reçu une province, Berne, que j'ai libérée. Plus ou moins amical aussi. C'est parfait. Les derniers sièges sont en train de se faire, du coup. On a récupéré... deux diplomates. On va réenvoyer directement. Ici. Ici.
plus qu'un seul siège. Alors par contre, il fallait que je refasse une revendication sur sur Gorse là. Voilà. On pourrait prendre une doctrine. Alors laquelle? L'aristocratique. Réduction de la lassitude de guerre. Alors au niveau militaire, on est à 130%. Oui, donc c'est bon, on va le prendre. Pas de soucis. Non, il n'a pas de valeur de siège, c'est pas la peine qu'il se bouge. Je vais annuler, je pense, le transfert d'actifs de puissance commerciale. Histoire de me libérer une place là. On va attendre la fin de la guerre et on va terminer là-dessus. Alors la Bosnie, je vais prendre quelques provinces, le reste je sais pas, je vais peut-être le vassaliser. Ce serait une idée de le vassaliser. Par contre, ça veut dire qu'après, on risque d'avoir des soucis de, des soucis religieux. Enfin, on verra ça. Ah, on a un mariage royal à refaire avec eux. Allez, il est long ce siège. Alors qu'il n'y a aucune raison qu'il soit long particulièrement en fait. Alors, 500 et quelques. Mon inflation descend toujours, oui. Bah, où est-ce que je peux faire des tribunaux? Ah, j'avais oublié ce petit truc ici. Un poste de police ici. Les agences de contre-espionnage ici. J'étais en train de construire des choses. J'aime pas être voilà 100%. Donc je veux ça, déjà. Ensuite, tu deviens mon vassal. 28 d'expansion. Alors, c'est qui? L'Autriche, ok. La Bosnie, la Valachie, la Moldavie, la Hongrie. Vont le prendre mal. Bon, c'est pas dramatique non plus. Ah, ils ont pas d'argent. Ça, c'est un peu plus dommage déjà. Ouais, on va faire ça. Alors, forcer la religion, bien sûr, ça n'est pas possible. Ça aurait été trop beau. Bon, bah, on va s'arrêter. Ouais, on va s'arrêter à ça. Hop. La Bosnie est donc officiellement notre vassal. Ça, je vais en faire une province nationale. Fissa.
On a de l'agitation. Mais bon, rien de bien méchant pour l'instant. Ça va être ici, je pense. Ouais, voilà. Donc on va calmer un petit peu les esprits. Alors, la Hongrie l'a un peu mal pris. Les Ottomans ne peuvent pas me saquer, mais c'est normal. Les autres pays sont plus ou moins neutres à ce sujet. Donc, tout va très bien. On va se quitter là-dessus, vu qu'on a dépassé un petit peu le temps. J'espère que cet épisode 24 vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye.